Maintenant, on change de catégorie et on s'en va dans les camions pleine grandeur. Camions pleine grandeur, c'est pas compliqué. Après année, on prend à peu près les mêmes 3 véhicules et on rebrasse l'ordre en fonction des améliorations, des nouveautés. Cette année, on arrive en 3e position avec le Ram 1500. Ouais. Un véhicule qui se démarque par la qualité de ses habitacles, niveau de finition. Au-dessus de tout le monde, là. Exactement, exactement. Ouais. Bonne tenue de route, sa suspension en ressort à l'arrière apporte une conduite plus engageante au quotidien, même si elle le pénalise lorsqu'on charge plus lourdement. S'écrase facilement. Par rapport aux autres modèles. Mais dans l'ensemble, le Ram, avec son choix de motorisation qui demeure fiable... Ouais, ça commençait... les Hemi, là, c'était le temps qu'ils fassent disparaître ça, qui arrive avec un moteur avec le nouveau moteur Hurricane. Exact. Mais là, ça, c'est en 2025. C'est pour les modèles 2024. C'est vrai. 2024, à la maison, on est encore avec le vieux stock. C'est pas la nouvelle génération, comme tu dis, avec le Hurricane. Ça, il faut quand même le prendre en considération. Bien précisé. Et il faut aussi rappeler quand même que c'est pour ça qu'il est en 3e position. Parce que... Et on verra l'année prochaine. C'est ça. Peut-être. En 2e position, le tandem de GM, Chevrolet Silverado GMC Sierra. Ouais. Donc, un véhicule qui continue à faire du bon travail. Ouais. Ce qu'on aime, c'est son confort sur la route. Ouais. Par contre, sa suspension à l'arrière est un peu plus soutillante par rapport aux autres. Ça prend de la charge un petit peu, sinon c'est fatigant. Exact. Surtout lorsque les routes sont mauvaises. Ouais. Mais moi, j'aime bien l'aménagement, le choix de version, le choix de mécanique, l'économie de carburant qui est au rendez-vous chez GM. Ouais. Ben, si on peut dire ça. Mais il y a le design aussi. C'est quand même c'est un camion qui se démarque là, aussi. Qui se vend bien également. Là, qui se vend bien, oui. Quand on combine les deux, là, ça brasse. Ça brasse. Puis la majoration de la cabine aussi, avec les nouveaux écrans notamment, ça a vraiment permis au véhicule d'évoluer grandement. Ouais. Là, d'un point de vue de motorisation, on serait dû pour un petit coup de jeunesse. Ouais. Là, hein, parce que là, le vieux stock, là. Oui, oui. Ça commence à être vieux. Là. 2e position, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Là, on y va avec la 1re position. Puis d'après moi, je suis pas sûr de... Le Nissan Titan? Le Toyota Tundra? Non. Ben pour une 2e année, sans grande surprise, le Ford F-150 qui termine au 1er rang. Mm. Ford, pour 2024, qui a remanié un peu sa camionnette. Mm. Il a surtout amené une nouvelle fonctionnalité qui est le haillon arrière Pro Access Tailgate, qui permet d'ouvrir une partie un peu comme une porte battante. Donc, ce qui amène un niveau... Un peu inspiré de ce que Ram a fait. Oui, puis c'est un constructeur, rapidement, là, parce que ça va vite, mais c'est un constructeur qui innove tout le temps. Tout le temps. Vraiment, il est en avant de tout le monde là-dessus. Puis c'est tout le temps étonnant. Les motorisations, les génératrices dans le coffre. Bon, tu sais, c'est vraiment... C'est surtout une camionnette... Pas dans le coffre, mais dans la boîte, pardon. C'est surtout une camionnette qui est pensée pour les travailleurs, les gens qui travaillent, et c'est la force du F-150 année après année.